One, two, three. One, two, three. Donc, pour accueillir Gris de Gris, premier étalon gris, du coup, de la journée. Beaucoup de sens, ce Gris de Gris. Spécialiste du mal, il avait gagné le prix du Muguet sur ses 100 mètres à un groupe 2 à Saint-Cloud. C'est d'ailleurs disputé traditionnellement le 1er mai. Et au niveau de sa production, il a fait une chose tout à fait intéressante. L'an dernier, Gris de Gris, ses premiers produits ont 3 ans et son seul partant à l'âge de 2 ans est gagnant. C'est une pouliche en l'occurrence, elle s'appelle Marie Borou. Et elle est lauréate à Pornichet pour ses débuts. Elle est entraînée par Christophe Ferland, Marie Borou. Il est d'abord entraîné par Jean-Marc Capit, ce Gris de Gris. Puis par la suite, il est monté à la capitale, comme on dit, pour être entraîné par Alain Drouet-Dupré. Portait évidemment la casaque de Jean-Claude Sérol, casaque orange. Et il avait débuté à l'âge de 2 ans, ce Gris de Gris, par une victoire, tout simplement. C'était en juin de ces 2 ans, donc il montrait déjà beaucoup de précocité sur 1100 mètres, à Salon-de-Provence d'ailleurs. Alors entraîné donc par Jean-Marie Capit, début de sa carrière donc. 9 victoires tout au long de sa carrière, dont le prix du Muguet, donc c'était en 2008, il battait à l'occasion Turf Rose, le rêve de groupe 1, et il battait également Spirito del Vento, un placé du Jean-Luc Lagardère. Gris de Gris fait la monte à 1700 euros poulain vivant au Haras de Cercy et à 1500 euros pour le prix collaborateur.